Eh bien salut tout le monde et bienvenue pour un 9e let's play sur Dead Space 3 et sans doute le dernier épisode. Donc on va continuer à tuer du nécromorphe par milliers hein, parce que c'est ça le but du jeu. Bon, alors. Si je me souviens bien, faut que je tourne des trucs, des bris. Pas le choix. Oh! Ah, ça c'était moi. Allez, dégagez. Oh, mais c'est pas vrai. D'accord, ok. Un peu le méga pika parce que ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé. Bon, c'est bon là, y a plus hein. Les maniocs. Hey, hey. Hey, crevé. Non mais, bande de chiens. Ah, j'ai cru que j'en dormais encore. Bon, alors après. Donc ça c'est bon. Merde. Tu peux pas soulever toi? Quoi se dire? Ah si. Naturellement, il y en a une deuxième. Alors. Ouais, crève. Et voilà. Ça c'est fait. Hop. Ok, le courant est rétabli. Un autre terminal d'activation vient de s'ouvrir. On est sur le point de relancer la machine, Carver. Zack, qu'est-ce que vous faites? Je fais ce qui aurait dû être fait il y a longtemps. Non, arrêtez ça. Vous mesurez à des choses qui dépassent vos compétences. Ouais, je vous retourne le compliment.
maintenant. On va avoir encore des monstres ou pas? Bon, vous avez fait un sac de nœuds géants avec cette ville, et après? Si Serrano dit vrai, je peux retourner au premier point d'activation pour faire le réglage final. Ça fera quoi? Eh, je suis ingénieur, pas monolithologue. Pas monolithologue, ouais. Tata, je vous esquive. Désolé, je ne veux pas me faire toucher. Non, est-ce qu'on va avoir du Necromorph encore? A priori, oui. J'entends du bruit suspect. Ou pas. Je vous ai tous tués? Oh, c'est balou. Ah bah oui. Pas un seul nécro. C'est marrant, ça. Habituellement, il y en a beaucoup trop. Ce n'est pas la peine, Isaac. L'avenir vous appartient. Vous le savez. Foutez-moi la paix. Vous pourrez la retrouver, Isaac. Vous retrouverez tout ce que vous avez perdu. Et vous serez débarrassé de tous vos regrets. Je n'ai aucun regret, Danik. D'une façon ou d'une autre, ce sera bientôt fini. Isaac! Vas-y, ferme ta grande gueule, toi. Allez. La porte a besoin de se charger. Chargement. Ah, quand même. Ah, j'ai plus beaucoup de munitions, oui. Wow. Oh, ça devrait le faire, mais bon. Ah, le secours. Oh, ça c'est moi. Oh, oh bordel. Aïe. Oh putain, oh, j'ai vraiment plus rien. Oh putain, c'est galère. Non, j'ai rien récupéré. Et là. Bon, c'est bon. C'est le dernier. Faut que je m'équipe en munitions parce que c'est tendu. Il reste plus qu'un buté, hein. Si tout va bien. Amène-toi, toi. Allez.
Aïe. Ouf. Putain. Je sais pas combien j'en ai tué. Je dois à peu près 5, je crois. Ah, c'est galère. Putain d'enculé. J'ai pas beaucoup de munitions. Il va falloir que je me rééquipe parce que là, ça va pas du tout. J'espère qu'il va pas y avoir trop de nécromorphes là. Et c'est parti, on commence à faire du Superman. Super Isaac. Bon, est-ce qu'il y en a des nécros? Il y en a aucun. Putain, c'est pas bon, hein. Là, je vais reprendre des munitions, hein, parce que je suis pas bien là. Putain, tout ce que j'ai. Allez hop, voilà, on va se charger comme ça, on est tranquille. Ah, là, je suis bien là, putain, je suis à fond. Bon, la deuxième maintenant. Alors, j'aime bien les figures, elles sont très simples à faire. Vous faites ce qui vous semble juste, mais vous vous trompez, Isaac. Vous devez me laisser couper la machine. Mes renforts sont arrivés. Avec une surprise. Quelle surprise? C'est quoi la surprise? Aïe. Isaac! Elle est morte! Mais comment tu... Je suis par les conduites des vraisons, mais ils m'ont eu! Isaac, vous pouvez essayer de te croire... Ah! Lâchez-moi! Tais-toi, hérétique! Ah! C'est moi, j'ai le codex, Dalek. Si vous le voulez, venez me chercher. Inutile. Vous allez à la machine. Et une fois là-bas, je vous attendrai. Eh oui, par miracle, Ellie n'est pas morte. C'est ça la surprise.
J'aime bien, des fois il crève en un coup quoi. Boum. Kamikaze, allez vas-y, j'ai une balle dans la tête. Ah, c'est radical dans le jeu. Là, il n'y a pas vraiment besoin de démembrement sur les mecs, mais... Ok, maintenant... Maintenant, il faut que j'aille chercher les... Trois statues, trois symboles. Comment en finir? Faut que j'aille chercher les statuettes. Alors, toi, t'es au milieu. Hop. Amène-toi, toi, Kamikaze. Ah, j'ai du mal à tuer ce coin. Allez. Eh ben. Ah là là. Bon. Bon. Je te pose là. Je vais chercher autre. Toi, t'es à gauche. Hop. Et toi, le dernier, t'es là. Voilà. C'est ouverte. Nous devons être tout près des commandes du Codex. Nous avons suivi toutes les instructions de Serrano. Je vais entrer. Allez, dépêche-toi. Oh putain. Putain, ça met où là? Ah, c'est bon. Dépêche-toi, Isaac. Vite, vite, vite. Oh putain, j'ai cramé. Hop, hop, hop. Merde.
Donnez-moi le codex et je vous la rendrai. Non! L'enjeu est trop important. Bon, tout le monde se calme, ok, Yannick? Donnez-moi le codex! Ou je vais la descendre! Non! Hé! Hey, qu'est-ce que vous faites? C'est votre dernière chance? S'il arrête la machine, on meurt tous. Elle, nous, tout le monde. Vous devez faire ce qui est juste, Isaac. Il y a toujours une issue. Non! Oh, une vilaine bébête. Ça y est. J'ai enfin réussi. C'est la fin des ténèbres. Que l'évolution commence. Et il meurt comme une merde. Ah bah non, ça y est, il n'y en a que 19. Bon. The bordel. Eh, crève. Ah merde, bah oui, c'est vrai, il y a un deuxième petit con. Allez. Dépêche.
parce que si je suis trop lent, après je risque de mourir, c'est ça aussi. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. C'est le truc super improbable, on affronte une lune. Waouh. Et c'est pas une blague, hein. Vous allez voir juste après, hein, mais c'est du gros what the fuck, quoi. Aïe, attention, j'évite ces merdes là. Enculé. Poup, poup, les débris. C'est vraiment une boucherie ce jeu, c'est... Allez, vite. Donc je crève. D'accord. J'ai plus de son. Voilà, faut que je fasse attention si j'ai plus de soin. Bon, on va s'équiper pour la dernière fois. Ah, effectivement, j'ai vraiment plus rien. Bon, ça, les munitions, ça devrait le faire. On va en garder 20. Voilà. Et puis le reste en munitions. Ah, parfait. On sait jamais. C'est vrai qu'en termes de soins de munitions, on est bien parce que je me souvenais de Resident Evil 0, à chaque fois j'étais à court, quoi. Et là, il n'y a pas de problème. Là. Ah, vache, il saigne, notre Isaac. Et avec la bonne petite musique qui va avec. Ah, par contre, là, faut que je fasse super attention. Pas que je me prenne le décor. Wow. Le truc super improbable, quoi. Ah putain, ah je m'en doutais. À chaque fois je me fais avoir sur ce passage là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Oh, il y a un blème là. Il y a un script qui s'est pas enclenché là. Regardez la lune, il y a plus rien à la lune. Il y a même plus le monstre. C'est quoi ce délire? Oh non! Oh la gueule, j'espère que c'est pas un bug parce que... Oh, c'est horrible. Mais par là. Ah, comme par hasard. Mais non, il n'y a pas de bug. Par contre, il était beau ce petit défaut là. Putain. Pauvre Isaac qui est complètement blessé. Vous n'aurez pas un petit œil là? Putain, un truc super improbable quoi. J'affronte une lune! Ça, c'est vrai que c'est pratique quand même. Que notre Tekkini soit super puissant. T'as ouvert un petit œil? Ou pas? Ouais, il y en a un qui veut. Attends, parce que... Oh putain. Il y a du monde là. Ah, j'adore. Lâche-toi avec cette merde là. Allez, voilà. Tu vas pas me bouffer hein. Oh là là, non mais vous avez vu la grandeur du machin quoi. Ah putain, là j'ai peur. Ah, je vais pas pouvoir l'avoir mais c'est... Il y a du monde qui va avec là. Allez vite. Vite. Tiens. Merde. Oh dég. Non. Dégage. Où est mon monolithe? Vite!
Quoi, tu l'as bouffé? Bah oui. Allez, vas-y, je te tire. Ah, c'est gore, putain. Allez. Dégage tes tripes. Système solaire confirmé. Supralumière activée. En attente. C'est fini. Bon, 9 let's play. Ça va, c'est pas mal. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme vous le savez, je n'ai pas fait les quêtes annexes dans le jeu. Je pense que si je devais faire les quêtes annexes, il y en aurait facile encore 3-4 let's play en supplémentaire. Hein. Mais bon. Je voulais vraiment vous faire la trame principale parce que les quêtes secondaires vous apprenez pas grand chose, c'est juste rajouter de la durée de vie quoi, c'est tout. Sinon non, il y a vraiment rien d'intéressant dans les quêtes annexes. Donc voilà pour Dead Space. Donc j'ai commencé cette série il y a 2 ans de ça avec. Lorsque j'ai débuté sur mes vidéos sur ma chaîne YouTube,
Donc c'est voilà, on finit la trilogie Dead Space. Donc ça a mis du temps, hein. C'est vrai que j'étais pas si motivé que ça de faire la trilogie, hein, parce que j'ai beaucoup de choses à faire entre temps. Mais bon, là l'essentiel c'est que je l'ai fini et que je vous ai montré vraiment le jeu en part entière. Donc alors, verdict du jeu. Alors c'est un bon épisode malgré que le côté survival horror a disparu de ce troisième opus là par rapport aux deux premiers opus. C'était assez inégal. J'ai préféré qu'il garde vraiment l'aspect survival horror que se tourner sur le jeu d'action. Je pense que les développeurs ont voulu trop se tourner à plus grand public. Et puis finalement ils ont fait un mauvais choix. Après ça peut être aussi l'éditeur Yagames qui a dû demander cela pour que ça soit plus grand public si vous voulez. Et du coup bah le troisième opus n'est pas si bien vendu que ça. Je crois d'après mes souvenirs, le 2 qui s'est plus vendu, qui est d'ailleurs pas mon meilleur opus. Le 2 s'est vendu à peu près 5 millions d'unités. Et le troisième, moitié moins. Donc ça veut dire à peu près 2 millions, 2 millions 5. Donc il y avait un désamour du public hein, pour ce nouvel opus. Bah, mais après c'est vrai que c'est dommage parce qu'il était pas. Il est pas mauvais ce jeu, mais c'est vrai qu'il a perdu son âme sur le survival horror quoi. Après graphiquement bah il pète hein, franchement même là il est sorti quand 2011-2012 je crois. Il pète encore graphiquement. Je suis assez étonné parce que le premier, le de toute façon, les trois Dead Space sont toujours aussi beaux malgré leur âge. Mais c'est vrai que le 3 était vraiment pas mal en termes de couleurs, de variété dans les décors. C'est vrai que c'est pas mal. Scénaristiquement, c'est pareil que les deux premiers, on n'apprend pas grand chose. Les héros en question, bah Isaac Clarke qui a toujours la classe, hein. Franchement j'aime bien ce petit perso qui est ce petit ingénieur venu de nulle part et qui est un anti-héros et franchement il a la classe. Ellie franchement j'aime bien cette gonzesse, depuis le 2 elle dégage quelque chose. J'espère qu'on la reverra dans le Dead Space 4 parce que oui on entend des rumeurs qu'il y aurait un quatrième opus, en espérant que ça va bien venir un jour, parce que c'est vrai que se finir là, sur cette fin... Bon après, vous avez eu un DLC qui est sorti juste après, 2 ou 3 mois après la sortie du jeu, qui raconte juste après les événements de la fin du jeu, donc Isaac Clarke n'est pas mort. Et après on apprend que dans ce DLC là, que je vous ferai peut-être plus tard, via Let's Play, vous apprenez que les lunes se sont tous réveillés et qu'ils vont attaquer la Terre. Comme par hasard, tel comment vous dire cela, comme dans la série des Mass Effect je sais plus comment ils s'appellent les ennemis, les moissonneurs, voilà. C'est un peu dans le même délire, c'est vrai que ça m'a fait drôle. Voilà, juste vraiment à la fin du DLC, on voit que toutes les lunes qui sont réveillées, qu'ils attaquent la Terre. Donc vous voyez, il y aura bien un 4ème opus. En espérant qu'il va venir très vite, parce que c'est vrai que ça fait comme plus de 3 ou 4 ans qu'on attend un hypothétique 4ème opus. J'espère que EA Games va donner les consignes de faire un 4ème opus via Visceral Games d'ailleurs. D'ailleurs, Visceral Games a fait dernièrement le Battlefield Hardline qui a été assez très décevant quand même. J'ai pas trouvé mon kiff. Mais c'est vrai que ce studio-là a quand même un énorme potentiel. Ils nous ont fait des bons trucs comme la fameuse série des Dead Space. Dante Inferno aussi, c'est eux qui l'ont fait, le Dante Inferno. Et Battlefield. Mais franchement, j'espère du tout cœur qu'il y a un 4ème opus qui va sortir pour finir cette série qui était vraiment... pas révolutionnaire parce que c'est des aspects qu'on a déjà vu, ça emprunte énormément les aliens, les Event Horizon, tous les survival horror qui sont sortis tels les Resident Evil, Evil Within non parce que Evil Within voilà il a seulement un an, mais voilà tous ces petits jeux là sont vraiment regroupés dans cet opus là, enfin dans cette série là.
Et voilà, ça fait quand même une bonne alchimie, excusez-moi. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce jeu-là. Durée de vie. Faut pas croire, mais il est vraiment très très long. Si vous l'avez jamais fait, excusez-moi, vous en auriez pour plus de 15 ou 20 heures. Là, j'ai fait en 9 let's play, à peu près pour 3 quarts d'heure. Donc c'est vraiment une très très bonne durée de vie. Bon après vous voyez, comme vous savez, je n'ai vraiment pas fait les quêtes annexes, hein. Sinon vous auriez beaucoup plus de let's play sur ce jeu là. Mais bon, je voulais vraiment vous faire la trame principale et c'est tout. Et petite nouveauté aussi sur cet opus là, il y avait aussi le mode coop qui est plutôt bon. Mais après voilà, c'est du coup avec un mode coop, c'est vraiment plus un survival horror, vous êtes vraiment sur le côté, sur le vraiment le jeu d'action basique. Après voilà, moi ça m'a pas gêné d'avoir je l'ai fait d'ailleurs avec un pote, franchement on s'est éclaté, mais bon, je pense que ça n'a rien à faire là en mode coop sur ce jeu là. Donc on est encore sur le générique de fin, je sais pas s'il va signer un jour. Voilà ce que je peux vous dire, franchement. En classement, je mets en premier, bien entendu, Dead Space 1, en deuxième, le Dead Space 3, et en troisième position, le Dead Space 2. Qui, sur le coup, voilà, j'en entendais tellement du Dead Space 2 à l'époque, et finalement, j'en sors quand même assez déçu de ce deuxième opus. Par rapport au troisième, voilà, c'est vrai que côté action est vraiment très, 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 très orienté, action. Mais moi ça m'a pas gêné tant que ça, c'est vrai que ça a gêné beaucoup beaucoup de personnes. Je sais qu'il y avait des potes qui ont fait les deux premiers opus, qu'ils ont kiffé grave. Ils ont fait le 3, ils ont vraiment pas aimé le troisième opus. Ils ont dit qu'ils avaient perdu le survival horror pour le côté action. C'est vrai que c'est très navrant, franchement. Après, le côté le gameplay, c'est vrai que n'est pas si bien pour ce côté action que nous est proposé le Dead Space 3. C'est vrai que c'est un gameplay plus survival horror que action, parce que vous avez dû voir dans différents let's play que les ennemis vous attaquent à de grandes, énormément de vagues d'ennemis, et le gameplay n'est pas du tout adapté pour ce genre de jeu d'action, quoi, si vous voulez. C'était assez navrant, enfin c'est dommage si vous voulez. C'est vrai que le côté gameplay, voilà, il manquait quelque chose de fluide, de bah, pour que ça soit vraiment bien orienté action, quoi. Bon, je crois que je vous ai tout dit sur ce jeu là, donc j'espère franchement que cette série de jeux sur Dead Space 3 vous auront plu. Donc je mettrai dans la description. D'ailleurs, que je n'ai pas mis sur les autres let's play, je mettrai la playlist des deux premiers Dead Space pour ceux qui veulent découvrir la série, ceux qui n'ont jamais découvert la série d'ailleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le premier Dead Space, je ne parlais pas parce que c'était vraiment mes débuts sur YouTube et j'étais pas encore équipé. Et le deuxième opus, c'est là où je parle sur le jeu, quoi. Normalement. Et puis voilà. Franchement voilà, c'est une série franchement que j'espère vous revoir revenir d'ici peu, parce que franchement la série des Dead Space c'est vraiment énormissime. D'ailleurs, je vous ai pas parlé de la BO, franchement là je suis en train d'écouter un peu la BO, franchement elle est terrible. Je préfère cette BO par rapport aux deux premiers, donc c'est peut-être ça que s'ouvre un peu le jeu, la BO, son ambiance, même si c'est voilà, c'est vraiment action comme je vous le répète. Puis les graphismes aussi, voilà, c'est une pure beauté, mais voilà. Donc je vous laisse là. Donc je vous donne rendez-vous très prochainement sur ma chaîne. Normalement, je ne lance pas de nouveaux let's play jusqu'à ce que le Quantum Break sort. Donc juste après Quantum Break, je sais pas si je vais relancer la série des Batman, des Battlefield Bad Company. Il y a Condomid aussi que j'ai fait dernièrement. C'est tout, je crois, comme série de jeux que j'ai lancé. Donc voilà. Donc si vous regardez cette vidéo là, prochainement il y a Quantum Break qui va arriver. Donc en espérant que voilà, Quantum Break va être un jeu énorme,
tel un Alan Wake qu'ils avaient fait à l'époque. Franchement, j'attends de très très grandes choses sur le futur jeu de Remedy. Donc voilà, je vous laisse maintenant. Donc je vous donne rendez-vous très prochainement sur ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Et ciao ciao ou pas. Prochain let's play. Au revoir. Hey.